Moi, j'avais envie de voir ça parce que c'était tellement chaleureux. On l'a fait chez moi et c'était un kiff. On va
vais apprendre de l'énergie, je suis vraiment venu pour ça. Sur un film, vous allez voir, que vous allez kiffer. Normalement, vous allez kiffer. C'est sûr. Bah, je pense à vous pour le film. Vous êtes pas un 5. Donc, vous le kiffez, et après, vous dites. C'est important de kiffer, de le dire après. On a besoin de ça. Non, voilà, c'est vrai que c'est compliqué de parler d'un film avant. On avait juste envie de voir vos têtes parce que voilà, ça manque de voir. Est-ce qu'on peut annuler la salle parce que je vois un peu plus de mots. Parce que j'ai envie de voir mes côtés, c'est ça qui manque. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, la famille, ça va. Oh putain, ça va, je connais ce genre-là. Mais je connais aussi. Ça y est, je te connais, toi aussi. Je connais tous. Alors, je connais aussi là-bas des gens. Ça fait plaisir, voilà, j'ai envie de voir en fait. C'est vraiment une image quand même parce qu'on est en. Ouais. Ouais. C'est compliqué, on va pas vraiment, je sais pas, je voulais faire le bonheur, je vais être en plein. Je vais aller en fait, là, c'est compliqué par la fleur. Ils vont le voir, de toute façon, ils sont venus pour ça. Nous, on est juste kiffer avec vous, c'est vrai. Donc, mettez de la musique, mettez un truc, on rigole des minutes et après, on les laisse regarder le film parce que c'est. Voilà, c'est. On sait, on sait, un peu, on sait pas. Si, quel truc, t'as pas de musique, toi ? Il y a de la musique. Il y a de la musique un petit peu qu'on. On s'y les gens parce qu'on est un peu nerveux. Hein ? Ça devrait arriver normalement. En tout cas, je vais vous demander de les applaudir très très fort. Une fois que vous avez pris une photo dans la salle, il y a quelque chose qu'on aime bien faire, c'est prendre une photo. Si vous êtes d'accord, on va faire. Voilà, on va faire un selfie géant. Un vrai bonjour, vous personne ne va dans vos places. Alors que ça fait une bonne qui vient des États-Unis, on entend le son. Sur les photos, en plein public. Voilà. C'est Jérôme, c'est marrant. Attention. On fait du bruit, hein. Et Omar Sy.
Merci pour cet accueil. Ouais, ouais. Alors merci, c'est cool. Je suis très content d'être là, je suis très ému en même temps. Et je suis chelou, ça me fait du bien d'être là. Et merci pour votre accueil. Vous savez qu'on en aurait ça, donc merci. Vous restez. Merci. Dans la salle, je peux peut-être aussi réalisateur. Rappelez-vous un petit peu la genèse du film, le projet. Écoutez, le projet, c'est qu'on avait évidemment envie de poursuivre notre aventure d'abord commune avec Omar. Ça, c'est sûr que ce qu'on avait vu ne nous donnait pas envie d'arrêter. Il n'y avait pas vraiment raison de nous arrêter. On avait aussi cette envie de continuer à découvrir les acteurs avec qui on a envie de tourner, avec qui on on rêvait de tourner parmi eux un homme qui fait maintenant du striptease dans le film. Toujours un moment où dans la scène, ils reprennent la scène des vies. De rencontrer des gens comme Charlotte Gainsbourg aussi, qui était vraiment une actrice dont on avait vraiment très envie de la voir devant une caméra avec nous, Lydia Hichelin, Hélène Vincent, parler de certains sujets, essayer de détendre les gens aussi. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Et puis un livre au départ, on a adapté, et puis voilà. Tout ça s'est mélangé pour donner le film. Tout cela, mademoiselle, allez-y. Oui, bonjour. Je suis artiste peintre et est-ce que je peux vous offrir le drapeau français? Ouais. À moi? Oui. Oui, il y a une semaine, donc il faudra le faire sécher deux mois. Après, j'aimerais mettre le drapeau sur le mur. Je l'avais dit, mais après, je sais pas si vous l'avez lu le message. Je voudrais vous offrir le drapeau français. C'est vraiment original et unique. Maintenant ou dans deux mois? Je suis là. Comment tu s'appelles? Je m'appelle Joy Calo. Ok, Joy Calo, merci beaucoup, Joy. Ben, c'est gentil, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah, c'est cool, ben, écoute, je suis très content de l'avoir. Je vais te sortir comme ça, je peux le montrer aux gens. Ben, c'est vraiment une artiste parce qu'elle est un peu. Elle a un peu. Tu touches pas tout de suite. C'est alors que c'est à moi. Elle a mis tout le monde. Oui, quand même, ou pas? Ah, c'est bien sûr. Tu le rends à toi. Mais c'est gratuit, mais jusque-là. Je ne te fais pas, c'est gratuit, mais je pense que le rends. Tu l'as compris, c'est bien. Vraiment, tu peux s'y faire. Ah, non, oui, je te fais gaffe. Ah, non, non. Montre-le. Merci, Jérémy, merci beaucoup. Voilà, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Elle est spéciale. Hein? Elle est spéciale. Elle est spéciale. Ah oui, c'est vrai, elle est quand même une spéciale. Elle est 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 spéciale. Il y a d'autres gens qui ont des cadeaux. Voilà, si vous avez des cadeaux, pas à lui, comme ça on pourra les ouvrir. Merci Joy. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Un autre cadeau? Non. Des questions, juste là. C'est vrai que moi j'ai pris le micro des questions. Je vais avoir le micro des questions. Ouais, tiens. Ce film est plein d'espoir. Vous pensez que vous pouvez y croire? On aimerait bien. Mais on y croit, nous. Mais on y croit. Il faut y croire. Regarde mon cadeau. Tu vois ça? Si t'as pas bien vu le cadeau, c'est bravo de la France. D'accord? C'est vrai qu'il vient de l'oublier. Et alors, ce qu'on montre dans le film, c'est la France. Et la France, c'est ça, il suffit de se regarder un petit peu, de regarder son voisin, d'essayer de savoir qui il est.
Et comme le dit la chanson qu'on entend à la fin, to know you, it's to love you. Et si je te connais, je peux t'aimer peut-être. Donc il suffit de faire connaissance, mais il faut y croire. Si nous on n'y croit pas, madame, comment on va s'en sortir? Comment on va faire? Il faut y croire justement, ça passe par là, ça commence par la foi. Et non, il faut, c'est obligatoire, on est obligé d'y croire, il faut y croire. Bien sûr que c'est possible, et comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc si on continue à vivre heureux, ayons d'espoir et surtout essayons d'avancer et ensemble. Ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Je sais que j'en ai perdu 10. Voilà. Oui, bonjour. Je m'appelle Omar, j'étais con. Une question, mademoiselle. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour le film, parce que ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, étant donné que je côtoie des immigrés en situation irrégulière tous les jours au travail, à l'hôpital entre autres, et quand on les prend en charge, on s'en rend compte de toute l'angoisse et tout ce qu'il peut y avoir derrière, donc le film fait prendre conscience de beaucoup de choses, et merci pour ça. Merci. Juste là, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir Tard, bonsoir Olivier. Bonsoir Blanc. Bonsoir. J'ai eu la chance d'être repris au casting pour. C'est dommage au début du film, c'est la vie, c'est la même qui vérifie les piercings de Lisa. En fait, je suis un petit peu ému parce que j'ai hésité à me dévoiler devant le public, parce que ça a donné que je vois le film. Je suis positif dans la vie. Ça fait bizarre parce que je travaille depuis 12 ans, j'ai pas de donc, c'est un plaisir. Et le message, il est vrai. Il n'y a rien de tronqué. En fait, l'histoire est vraie. Donc je connais des gens comme ça tous les jours. Moi j'ai des gens drôles, donc c'est difficile pour moi. Mais aujourd'hui c'est tellement beau de voir cette femme rose. C'est ce qui dégage. Je suis vraiment ici, je suis fou de l'histoire du film. Et c'est un peu plaisir d'avoir fait ce film et grâce à l'effet de Olivier et de me dire que. Il y a un message qui peut se créer, qui peut se faire. Et je vous souhaite beaucoup d'avenir à toutes les histoires. Merci beaucoup.
Avant que le striptease de Dard commence. Dard aussi a maigri. Vous allez pouvoir le vérifier. Et Dard est sous la contrôle. C'est un grand scénario. Ok, mesdames et messieurs, je vous demande de les applaudir très très fort. Merci beaucoup, merci. Alors, je vous remercie, tout vous aime bien. On a envie de organiser ce moment, c'est notre dernière date, en plus on est à la maison. Et un truc qu'on a beaucoup fait, c'est qu'on fait les selfies géants, c'est-à-dire qu'on veut se prendre en photo avec la salle. Donc si vous voulez, on peut faire du tout, on pose pas cette photo s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, la petite, il sera sur un survival film.